Je ne sais pas dessiner, donc je crée directement dans ma tête et je conçois l'objet dans la tête et après je vais le réaliser directement à l'atelier. Et il n'y a pas d'échantillon, il n'y a pas de prototype, c'est la bonne pièce. C'est, une fois que j'en ai fini, on ne fait pas deux prototypes, mais trois prototypes. Un designer, c'est quelqu'un qui crée un modèle. Mais moi, je relis les deux. Je peux créer les modèles et les fabriquer en même temps. Ça a commencé quand on a quitté les points E et que l'entreprise de mon père est tombée en faillite et que je me suis retrouvé par cette assainie avec une chambre qui faisait 1 mètre sur 2 mètres de long. Alors comment transformer cet endroit, comment faire cet endroit que ce soit un endroit petit mais agréable, convivial. Donc le challenge c'était de rendre cet endroit un nid d'amour, un truc où je peux me sentir bien avec mes amis et que je peux me sentir bien. Donc tout a commencé à comment décorer cet endroit qui faisait 1 mètre sur 2 mètres qui était ma chambre. Le fer déjà, c'est un matériau que je maîtrise, que je connais et que j'aime. Le fer est un matériau qui est très noble, donc ça veut dire que le fer ne triche pas. S'il est bien travaillé, il se voit. S'il n'est pas bien travaillé, il se voit. C'est un matériau que j'ai dompté, que je me suis amusé avec, à connaître tous les secrets du métal. Ma motivation vient depuis très longtemps, depuis l'enfance, quand j'ai toujours voulu créer, toujours voulu faire quelque chose de différent et toujours m'amuser avec des objets que je connais ou que je ne connais pas. Donc la curiosité, l'inspiration, la création font partie et le beau, l'esthétique et le monde qui fait rêver les choses qui n'existent pas. Donc ça, c'est juste ça, font partie des choses qui me motivent. On a envie de faire plaisir à l'autre. C'est une façon de donner, c'est une façon d'un échange. Et quand je crée quelque chose, ou quand je travaille sur un objet, ou quand je reçois des gens, c'est d'abord me faire plaisir à moi. Et en me faisant plaisir, je fais plaisir aux autres. Tu ne peux pas ne pas aimer et pouvoir faire aimer aux autres. Donc c'est vraiment ce que ce soit en toi, c'est quelque chose que tu dégages. Comme dans mon travail, c'est des choses que j'aime et j'ai envie de faire rêver les gens. Donc moi-même, je suis dans le monde où je rêve, où tu réalises quelque chose qui n'existe pas et après je partage ça aux autres. Donc ça se partage sur un bon plat ou à table ou en cocktail, mais c'est très convivial. Et ça va le plus simplement possible, le plus naturellement possible. Les gens disent beaucoup que j'utilise des matériaux d'équipagement. Moi, j'essaie de les pousser les gens un peu plus loin que ça. Ne plus s'arrêter juste à l'objet, juste au matériel. Tout objet est noble, tout dépend de ce qu'on en fait. Donc, il faut que les gens, j'ai réussi à faire sortir des gens dans les critères matériels de récup. Récup, ça veut dire dévaloriser et tout. Et de travailler d'une façon et me faire oublier les gens, faire rêver les gens qui ne savent même plus qu'est-ce que c'est. Et donc, pour moi, le matériel récup ou n'importe quel matériau est noble. Donc, tout dépend comment on le transforme, comment on le travaille et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, récup ou pas récup, ça revient au même. Là, quand j'en ai fini, on ne sait plus ce que c'est. Les sources d'inspiration, c'est un moment de besoin, c'est un moment de partage, ou c'est un moment d'envie, où c'est les gens, les rencontres, les pays, la sensibilité que j'ai avec toi, ce que je ressens, c'est vraiment ça peut venir, c'est en tout. Ce médium, je peux dire que c'est toute ma vie. Ce médium, c'est l'apprentissage des premiers pas. Et puis une petite anecdote, mon père a ouvert son atelier à ce médium à ma naissance, en 1975. Et donc, je peux dire que ce médium, c'est moi, c'est toute ma vie. J'ai tout appris là-bas.